avec Juliette. Tous mes films sont un peu connectés et donc forment un ensemble. C'est-à-dire, si on ne voit qu'un film de moi, bon, c'est très bien, c'est autonome. Si on voit trois films, les films se répondent les uns les autres. Il y a des personnages qui passent d'un film à l'autre. Il y a des connexions, des correspondances. Et bon, c'est ça qui est intéressant. Chaque film est un fragment d'un ensemble plus grand. Dans le cinéma commercial, il y a très peu d'exemples. Oui, en fait, tu as cité Chaplin, mais moi, je citerais plutôt François Truffaut. C'est de la série avec Jean-Pierre Léaud, bien sûr. Truffaut qui m'avait dit un jour, parce que dans le cinéma industriel, quand on a fini un film, on jette tous les brouillons, toutes les chutes, les réserves, les doubles qui n'ont pas été utilisés. Et François Truffaut m'avait dit, je ne peux pas faire ça avec les plans que j'ai tournés avec Jean-Pierre Léaud. Et ça m'a fortement interpellé. Parce que c'est ce qui se passe. Je n'arrive pas à jeter mes chutes. Parce qu'elles font partie de ma vie. Ce sont mes amis que j'ai filmés. Et je fais encore un film aujourd'hui que j'appelle Fantôme du passé. Et parce que je retrouve dans les images que j'ai faites il y a 40 ans beaucoup de personnes qui sont mortes, en fait. Mais elles vivent encore dans la pellicule. Par exemple, Babel, j'avais tourné 50 heures de pellicule. Le film ne fait que 6h30, donc 6h20. Donc il y a quand même 40 heures de chute. Mais chute, c'est pas chute dans le sens normal du terme aussi. Ce sont d'autres images qui n'ont pas été utilisées. Il n'y a pas de mauvaises images. Il y a quelques plans ratés, bien sûr, mais la plupart des plans sont utilisables. Mais ils ne sont pas rentrés dans la structure du montage. Je vais à Lyon bientôt, vous l'avez entendu? Ah d'accord, mais je suis jamais... Ils ont décidé de me réinviter avec mon dernier film, La Funéraille. Ouais, ils m'ont jamais invité, alors je suis de Lyon. L'une des prophètes en son pays. Je sais que tu es de Lyon, c'est pour ça que je te le dis. Je tourne énormément à Lyon chaque année. Enfin, Oui. Je n'arrête pas de faire des films. Tu as fait l'inventaire des rues. Hein, oui, et puis plein d'autres films depuis. L'inventaire est fini depuis 2013, mais... Qu'est-ce qui se passe là? J'ai deux caméras sur moi, trois... 4. On me cloue. Lève mon bec. Alors j'ai envie, messieurs. Vous revenez chacun un miroir. Soir, là, là-bas. C'est moi qui vous photographie. Oui. On va pas s'en sortir. Oui. Avec mon reflet. D'accord. C'est déjà. Moi je fais qu'une prise, hein, c'est pas comme lui. J'avais envie de vous photographier l'un l'autre en train de tenir un miroir devant vous, de voir un morceau de vous et de voir le miroir. D'accord. Et de voir derrière le siège des spectateurs qui regardent ce que je veux voir. Alors, ici ça me paraît un peu sombre, ce serait mieux d'abord. Ah. On peut essayer ici, vous voulez bien essayer ici deux secondes, Doris? Je regarde si vous avez des lumières. Ça s'appelle une GoPro, ça? Non. Oui, mais c'est pas la marque GoPro, mais c'est la même chose. Oui. D'accord. Et c'est des cartes normales ou c'est des mini-cartes? Non, mini-cartes. On va voir ici, on tourne le miroir vers vous. Comme ça. Et un peu en hauteur. C'est ça? Voir, un miroir. Sombre. On va essayer d'aller sur la scène, de toute façon, comme ça, vous y serez. Vous y serez. Non, c'est comme ça. Non, comme ça. Je te vois pas, là. Blanc comme un mort. Comme ça? Légèrement plus haut. Non, que je vois le haut de votre tête. Légèrement. J'arrive pas à choper le siège derrière, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que ça aurait été très joli. Oui. Pas mal, hein? On va essayer d'en faire un de deux ensemble. Je me rapproche un peu de vous.
Est-ce que je peux voir votre main tient le miroir de l'autre côté? Vous pouvez le tenir aussi? Okay. Parce que la main, ça raconte plein de choses aussi. C'est intéressant. Ah, super. Merci. À vous. À vous. Merci. C'est séparé. Alors, est-ce que vous pouvez, avec cette caméra, faire quelque chose pour que ça rentre dans le champ, pour que je vois votre main et votre visage en même temps. Alors là, c'est pas, là, c'est plus Boris Lehmann à Valence, Boris Lehmann à Toulouse. Donc tu peux commencer à fermer les yeux, vas-y. Non, non, là, je... une fois, mais pas deux. Par exemple, on va pas s'ennuyer, je crois qu'il y a des... Voyons voir comme ça, si vous le tenez comme ça. Et ouais. Voyons voir si vous, vous tenez l'autre... Ça va être beau, ça, comme portrait double. Ah, super. Gérard. Oui, il est pas mal. Là. Bouge pas. Très bon. Quelle classe, Boris. Ah oui, quelle classe. Vraiment, je suis très honoré de pouvoir vous filmer, toi, Boris Lehmann. Avec ta GoPro, là. Oh. C'est dommage que je ne vois pas Boris dans le reflet. Là, peut-être, là, non. Non, voyons voir si on arrive à voir Boris dans votre reflet à vous. Ah ouais, c'est chouette. Ah, j'ai perdu Boris. Moi, on s'amuse beaucoup, hein? Ben, allez, c'est parti. Je crois que là, assez joué, hein, c'est ça. Je raconte pas ma vie, hein, dans mes films. Je dirais pas, on ne sait rien de ma vie, on sait peut-être quelque chose, mais enfin, c'est pas. Donc, l'autobiographique, c'est quelque chose de très en arrière-plan. Autoportrait, c'est plus juste, je suis d'accord. Mais bon, toutes les œuvres d'art sont en quelque sorte des autoportraits. On pourrait dire aussi autofiction, parce que bon, je me mets en scène moi-même, donc je suis dans l'image. Mon cinéma reste quelque chose de narratif, oui, je raconte quelque chose. Et c'est souvent ma voix off qui fait le lien entre les scènes et les images. Un peu à l'exemple de Jonas Mekas, qui est quand même un peu mon père en cinéma, je dirais, qui a donné le ton. Bien que, mon style est très différent de lui, mais il y a beaucoup de correspondance dans les amis qu'on filme, c'est-à-dire c'est la grande famille d'amis qu'on essaie de mettre dans l'image et voilà, qui donne une espèce de géographie et de temps aussi. C'est le film d'une époque, comme on dit. Le cinéma, c'est un peu grossier de dire le cinéma c'est ma psychanalyse, mais enfin, donc le cinéma me permet de voir comment je vis finalement. Alors c'est pour ça que bon, il y a la phase de tournage, comme tu dis, qui est un peu inconsciente. Enfin, je veux dire, je ne réfléchis pas trop sur ce que ça veut dire. Mais bon, 10 ans après, je revois les images et je les commente. Et je vois un peu ce qui s'est passé. Et voilà, j'oriente un petit peu dans le montage. Bien sûr, je fais des choix. Mais voilà, c'est ça. Et je dois aussi m'accepter, parce que quand je me filme, il y a des choses qui me gênent, que je ne veux pas montrer, que je cache. Mais bon, finalement, au fur et à mesure, au fur du temps qui se passe, on est bien obligé d'accepter sa calvitie, ses rides, le temps qui passe, etc. Les gens qui meurent autour de soi. Donc ça fait partie du... Enfin, c'est quand même à la recherche du temps perdu. Hein. Je veux dire, on est toujours en retard. Hein. On doit toujours faire un flashback sur ce qui s'est passé. On n'arrive pas à vivre au présent et à filmer le présent. Enfin, c'est très compliqué. J'ai pas inventé. J'ai mis en place un dispositif, oui, parce que je travaillais en 16 mm principalement. Donc,
Oui, caméra sur pied, enregistreur, Nagra, et un peu d'éclairage, parce que la pellicule n'était pas assez sensible à l'époque. Du matériel minimum que j'ai fini par acquérir, comme Gérard a dit, parce qu'il fallait être autonome. Et donc une table de montage aussi, et même j'ai eu un moment un laboratoire, et donc je pouvais tout faire à peu de frais. Avec l'aide de, il fallait un opérateur, une personne pour le son, parfois c'est moi qui faisais le son, mais quand je joue devant la caméra, bon, il faut bien quelqu'un. Donc une équipe minimum, 2-3 personnes. Bon, ça, évidemment, ça rend un peu mon cinéma un petit peu comme ça, immobile, je ne sais pas comment on dit, un peu statique. C'est bon. J'avais besoin d'un cadre dans lequel on jouait, c'est-à-dire on entrait en scène, on sortait en scène, un petit peu comme dans le cinéma, on entre dans le cadre ou on sort du cadre. Donc, c'était des petites scénettes comme ça. Par une certaine facilité. Donc, j'ai essayé un peu de déroger à cette règle, mais ça n'a pas vraiment réussi. Donc, c'est vrai que je me suis laissé un peu prisonnier. Non, parce que moi, je trouve ça. Prisonnier de mon système. C'est une force aussi de votre cinéma, que justement, il y a des cadres qui sont. Il y a une composition, tout est. Enfin, c'est très cinématographique. Par contre, cette façon de fonctionner me permettait de mélanger des plans que j'avais fait 20 ans avant, parce que ça collait. Oui, du coup, il y a une homogénéité. Oui, c'est ça. Une même vision des choses et des plans qui pouvaient correspondre. Ça montre un peu le caractère encyclopédique de nos cinémas, dans des styles différents. Mais bon, si moi je parle de Babel, j'ai commencé en 1983. C'est un film qui est aujourd'hui divisé en 7-8 films qui ont couru sur 35 années de ma vie. Donc là aussi, je suis en train de terminer le dernier épisode et demi qui manquait. Il y avait un chaînon manquant. Donc voilà, je rêve d'une projection intégrale. C'est une trentaine d'heures.